Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve donc pour découvrir la box surprise du mois de mars, la BAM, comme ils l'appellent, la boîte à merveilles. Donc voilà, je l'ai reçue, donc c'est pour un petit garçon donc d'un peu de 15 mois, donc voilà, ça vous donne une idée à peu près de ce que j'ai reçu donc pour cette tranche d'âge. Et donc du coup, le thème de ce mois-ci était sur, je crois, le bain ou un truc comme ça. Enfin, c'était un rapport avec le bain. Donc, thème qui me faisait très très peur, qui me fait d'ailleurs toujours très peur, parce que j'ai peur de me retrouver avec des canards ou des livres pour le bain, alors qu'il en a 50 millions. Enfin bref, voilà. Donc découvrons donc voilà la box toujours très jolie hein, toute décorée, elle fait partie du donc j'ai bien fait par contre de l'ouvrir avant parce que j'ai galéré. Donc la box est vraiment toujours très 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 jolie et quand on l'ouvre donc voilà on a donc le petit magazine, la petite gazette. Donc voilà, le thème était bateau sur l'eau en fait. Voilà, bateau sur l'eau. Et donc voilà, le contenu, donc toujours très bien emballé dans du papier en soie bleue pour mon petit garçon. Donc, je vais plutôt mettre ça là, c'est très pratique. Peu de place sous mon bureau. Et donc voilà, donc on va découvrir donc ensemble donc, en fonction aussi de la petite gazette. Donc, découvrons, j'ai peur, j'ai peur. Rigolo. Ah non, c'est un petit. J'allais dire, c'était, je croyais que c'était une boîte avec un petit sachet en. Donc c'est un petit sac en filet avec des poissons, un peu légèrement en mousse comme ça. Ça fait penser en fait aux trucs qui flottent dans la piscine, les planches qui flottent dans la piscine. Donc il y a des étoiles, des petits poissons. Donc voilà, très joli, très sympa. Pêche à la ligne. Bah ça par contre c'est sympa, ouais. Ça c'est super sympa. Ça va flotter dans l'eau, ça va lui plaire ça. Ça par contre, voilà. Bon, on voit quelque chose de sympa. Donc pour 10 mois et plus. Alors par contre, donc on va regarder sur la petite gazette si on trouve plus de compléments. Tup, tup, tup. Alors voilà, pour les petits, donc pour les petits, c'était des petits jouets dans l'eau, etc. Je vous montre de plus près. Voilà, pour les petits, c'était ça, ce que j'avais peur justement d'avoir. Et pour les plus grands et les moyens, c'était donc une pêche à la ligne. Donc pour les moyens, les grands, les plus jeunes s'amuseront à coller et décoller les éléments en mousse sur la paroi de la baignoire et les plus grands développeront leur agilité en les pêchant avec la canne articulée. J'ai pas de. Bon, j'ai pas vu la canne, mais elle doit être quelque part. Si elle est là, la canne. Elle est là, quand même. Ah, du coup, elle se colle aussi sur le bord de la baignoire. Bah, sympa, du coup. Sympa, sympa. Bon. Ensuite, nous avons Cartier, de la marque Cartier Paris. Crème pour le change, sans parfum. Abricot. Ah, ça, sympa. Un petit tube donc, de parfum pour bébé pour le change. Alors, c'est toujours pratique, hein. Justement, moi, il m'en restait presque plus, donc du coup, bah, je vais être quitte d'en acheter. Je connais pas cette marque, enfin, je la connais de réputation, mais j'en ai jamais utilisé, donc du coup, ça me permet de tester et voir si elle est vraiment efficace. Donc voilà, 75 ml, donc sympa, pratique, sans toujours en rapport un peu avec le bain, etc. Donc, alors, par contre, nous n'avons pas les prix. Alors, j'essaie de regarder sur Internet si je trouve les articles et je vous les mettrai sûrement par là. Je sais pas, je vous montrerai je les rajouterai à la vidéo. Voilà, donc bye bye rougeur, bye Cartier. Une crème pour les petits loups de mer, pour les petits et les moyens. Et donc, pour les grands, on avait des crayons pastels pour le bain. Ah, d'accord. Voilà, j'essaie de vous montrer. Hop, hop, hop. Donc voilà, pour les petits, les moyens, c'était une crème de bain. Et sinon, pour les autres, c'était pour les plus grands. Attends, vous êtes ici. Donc c'était des crayons, des pastels pour le bain. Écrire sous les murs, sympa. Donc très bien. Ensuite, petit
Bobo, spray nasal isotonique. Ah, j'en avais entendu parler et je me suis dit, oh, trop, j'aurais trop, j'aimerais trop essayer ce produit. Donc, c'est un spray nasal pour le nez, tout simplement. Hein, quelque chose de... Mais petit Bobo, j'en ai entendu que du bien. Et donc, du coup, bah voilà, je me suis dit, oh, j'aimerais bien tester ce produit. Et ben voilà, ça va être fait. Donc, voilà, le petit Bobo, spray nasal. Ah, bah, sympa. Et ben ça tombe bien, encore une fois, comme pour la crème pour le change. Et bien du coup, c'est pareil, hein, ça, on n'en est jamais à court. Hein. Moi, j'en ai toujours besoin. En plus, ce petit format-là, c'est pratique. Toujours d'avoir le grand, mais aussi le petit aussi, comme ça, on peut le mettre un peu partout. Donc, où est-ce que c'est? C'est là. Un petit spray isotonique, petit bobo. Donc là, ça, apparemment, c'était pour tout le monde, hein, parce qu'il n'y a pas de petit ou grand. Petit ou grand, donc c'était pour tout le monde. Ensuite, ce que j'aurais dû jeter le plus. Oh, un joli livre pour le bain rose. Petit ourson. Livre pour le bain. Bon, bah alors là, par contre, je ne vais pas l'ouvrir hein, parce que du coup, je l'offrirai à quelqu'un qui s'appellera. Ça direct. Non, bah, il en a déjà, je ne sais combien. Et d'ailleurs, il joue pas avec, donc voilà. Je ne sais pas où c'était. Ah, si, c'est aussi. Donc, pour les petits, c'était le petit imagier. Pour les moyens, les comptines. Et pour les plus grands, chamallow. Donc, voilà, trois livres différents en fonction des âges. Pardon. Donc, un peu de. C'était sûr, hein. Après, voilà, c'est le jeu. Hein. Pardon, ah, j'ai une poussière dans la gorge. Qu'est-ce que c'est? Sycomore, indicateur de bain froid. Ascension, ceci n'est pas un thermomètre. Oh, c'est rigolo, c'est une petite grenouille. Voilà. Indicateur de bain. Bain chaud, bain froid. Ça, c'est sympa, ça. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais ah, ça c'est rigolo. En plus, elle est rigolote. Alors là, je ne connais pas du tout. Wes. Voilà. Ah, c'est tout à la fin. Indicateur de bain froid. Plonger. Alors, quand vous les plongez dans l'eau, leur tache noire disparaît et réapparaissent quand le bain devient froid pour vous en bain. Ah, c'est rigolo. Et donc, du coup, il y avait différents personnages, etc. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc, eh ben, ça, c'est rigolo. Ça, franchement, c'est rigolo. Donc, bon, bah, voilà. Ça, c'est sympa. Bon, donc, et voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la box. Enfin, tout ce qu'il y a, c'est déjà pas mal. Et donc, dans le petit livre, on a encore une recette pour un gâteau. Donc là, c'est pour la crème dessert au chocolat et pour faire des petits gâteaux, des petits bateaux croustillants. Donc voilà la recette. Je vais jamais y arriver. Voilà. Et derrière, un petit truc pour faire des petits. Alors, pour faire une petite déco, une petite guirlande avec des bateaux. Donc voilà le modèle, comment faire pour faire la petite guirlande de bateaux, etc. Donc ça, c'est toujours sympa aussi. C'est toujours sympa. Donc voilà. Box sympa, tout va me servir à part le livre. Le livre pour le bain, là par contre, non. Mais bon, c'est pas grave, hein, il servira à quelqu'un d'autre. Donc voilà, sinon, bon, finalement j'ai eu peur, mais bon, pas trop. Il y a eu juste un article qui me plaît pas, mais sinon le reste, les éléments pour la pêche, super. Et les deux autres produits qui sont, voilà, pour le nez, le spray nasal, que j'ai hâte de tester parce que je suis trop contente de l'avoir. Et pour le change, bah, du coup, toujours très utile. Donc voilà, et le petit indicateur, du coup, je vais pouvoir tester ce soir pour voir un peu comment ça réagit. Donc c'est sympa. Voilà, le mois prochain, le thème, c'est autour du repas, un peu comme la Cucciolou de ce mois-ci que je vais bientôt recevoir. Enfin, non, c'était la Tinilou, pardon, la Tinilou de ce mois-ci, c'est le box aussi en rapport avec autour du repas. Donc bon, on verra bien, j'espère ne pas avoir les mêmes produits, mais bon, moi, je pense pas. On verra. Donc voilà, bah je vous dis à très bientôt, je pense même demain, car j'ai reçu une nouvelle box, donc je vous ferai découvrir cela demain. Ciao!